Je me suis fait défoncer. Ah, c'était extrêmement difficile. Bien le bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, c'est Vincent Grimpe et aujourd'hui j'ai envie de me lancer un défi. On a vu aux Jeux Olympiques les athlètes grimper 4 blocs et je me suis dit à quel point est-ce que c'est difficile, est-ce que nous, moldus de l'escalade, en sommes-nous capables? J'ai voulu me confronter un peu à ce schéma de 4 minutes pour faire un bloc et 4 minutes de repos. Du coup, je vais essayer dans cette vidéo de faire des blocs extrêmement difficiles pour moi parce que c'est extrêmement difficile pour eux aussi aux Jeux Olympiques. Du coup, je vais essayer de faire 4 blocs de niveau violet à Arcos Toulouse, c'est le niveau maximum de la salle parce que dans ces blocs-là, je vais me faire rouster, je vais mettre des essais, un peu comme eux, ils sont aussi fait rouster. Ils ont mis pas mal d'essais dans les blocs de compétition. Du coup, c'est la première fois que je teste ce format. J'espère que vous allez kiffer et on y va de suite. Hop, du coup, je commence par ce bloc violet. Donc là, je suis dans ma petite phase d'observation. Je vais même le brosser d'ailleurs. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je pense que je vais me faire éclatax. Donc là, sur le côté, il y a un volume que je peux potentiellement attraper. Si je l'attrape, je serai pas mal, mais je suis pas sûr d'y arriver. On rappelle chaque bloc 25 points. Objectif, avoir le plus de points possible. Donc un total sur 100 points. Dites-moi en commentaire combien de points vous pensez que je vais avoir. Ah, j'ai pas envie de commencer. J'ai déjà le petit stress là. Bon, mais quand faut y aller. Hein. Je sais même pas quelle main je mets au début déjà. 4 minutes, c'est parti. Ouais, 3 minutes 51. Alors, je passe si j'ai quel pied là. J'ai pris ça. Oh que c'est dur. Oh ça va être dur ça. Comment je mets le pied gauche à gauche? Oh la vache, ça commence. Alors je pense qu'il faudrait que je fasse main gauche pour me dégager le pied là. Peut-être passer par en dessous. Allez-y, j'en mets un run là. Plus dur, c'est trouver la stratégie en si peu de temps. Et le problème, c'est que là, je bouge plus. Tu sais, je commence déjà à me faire rouster, quoi. T'as plus que 2 minutes 6 restantes déjà. C'est ultra rapide. Mais ça fait pas du tout. Il me reste à peine 57 secondes. Je capte pas la méthode et je trouve ça hardcore. Où ça tire les doigts? Bon, c'est le dernier run, je pensais. Et c'est là que c'est dur, parce qu'en 17 secondes, je pense que je fais plus rien. Bon, mais premier but énorme. En vrai, je pensais pouvoir aller au moins à la prise de volume, parce qu'à mon avis, la suite, elle se fait. Un peu frustré, je resserrai peut-être à la fin du challenge pour voir si j'aurais mieux réussi ou pas. Et c'est la dure loi de grimper en 4 minutes. Du coup, je pense que vous vous rendez compte à quel point c'est express 4 minutes pour déchiffrer un bloc, essayer de le faire, récupérer. Il y a très peu d'essais, je fais mon max, mais c'est pas simple. On va brosser un petit peu pendant le temps de récup. Je rappelle qu'on brosse pour enlever l'excès de magnésie sur les prises. Ah, j'aimerais bien vous montrer des blocs faits, hein, mais là, je suis dans du bloc violet. Je vais très rarement dans ce niveau de cotation. Donc là, je vous sors le grand jeu pour essayer de faire de mon mieux dans cette vidéo, quoi. Allez, 1 minute 5. C'est court quand même comme repos. Hein. Et encore, pendant le repos, ils n'ont pas le droit de regarder le bloc. Moi, je suis déjà en train de cheater un peu à regarder le bloc. Bon, je vais essayer de vous lire le bloc là pendant qu'il reste 35 secondes. Je pense que ça commence main gauche. C'est droit. Ça va sur la première comme ça. Direct, je pense, en cédant du tapis. Et après, ça fait hop, main gauche, main droite. Et ça, c'est chaud, je pense. Et après, une fois là, je pense qu'il faut ramener. Il faut essayer de mettre le pied là, essayer d'aller à droite. Puis recaler le pied. Allez, il reste 3 secondes. En position, et c'est parti. Oh là là, je me suis envolé la vache. Oh, c'est dur. Putain, je pensais pas faire le premier où je suis refait. Après, c'est extrême. Je sais pas comment aller sur celle-là qui a l'air bonne, mais ça, c'est extrême. No foot. Allez, il me reste 2,25. Je vais partir à 2. Allez. Je prends des vols. Oh,
pantalon mané. Ça, ça part. Je peux pas faire ça. Je sais pas quoi faire là. Putain, je suis embêté, il me reste une minute. Une minute, qu'est-ce qu'on fait là? C'est un bloc rapide. On est en compète, on y va. On trouvera la solution là-haut. 38 secondes. Je donne ma vie sur le premier move à chaque fois. Allez, 29 secondes, on se dépêche. Une seconde, fin du chrono. Là, je suis hors temps. Oh, je passe pas. Deux blocs essayés, deux énormes buts. Il m'en reste deux. Je vais faire encore un bloc assez physique, un peu en dévers. Et après, je finirai par un bloc en dalle. Clairement, je donne mon maximum. Je pensais pas que ce serait si dur. Franchement, énorme respect aux athlètes, hommes comme femmes, pour leur perf. Parce que c'est un exercice qui est très difficile. 4 minutes d'exercice pour faire un bloc et 4 minutes de repos entre les deux. Ouais, c'est extrême. En plus, ils ont la pression de la compète et tout. Moi, j'ai rien là. Je suis juste un gars qui essaye des blocs et qui se fait rouster. Mais eux, il y a un enjeu derrière. Et pourtant, c'est extrêmement dur aussi pour eux à ce niveau-là. Pendant les compétitions, ils sont contre des adversaires. Enfin, d'autres athlètes qui sont mais extrêmement forts aussi. Donc, franchement, gros bravo à eux. Il me reste 2 minutes 22 de repos. C'est un exercice que vous pouvez faire aussi en adaptant à la cotation à laquelle vous êtes. C'est-à-dire que moi, du coup, vu que je grimpe dans du noir, là, je débute du violet à Arcos. Bah, là, je suis allé dans mon niveau max. Donc, niveau violet, qui est aussi leur niveau max pendant les compétitions. J'aurais pu aller dans le niveau noir, mais ça aurait été un peu moins marrant. Je voulais vraiment me challenger pour me mettre à leur place. Donc vous pouvez faire ça aussi, peu importe si vous êtes débutant, dans du niveau jaune, vert, bleu, rouge, noir, violet. En fonction de la salle, choisissez la couleur que vous voulez. Il y a des cotations que vous voulez. Mais vous pouvez en tout cas vous amuser à reproduire ça. Il me reste 1 minute 43. Je vais essayer de brosser un petit peu. 51 secondes et je suis au bout de ma vie. Super. Si j'arrive à elle, c'est déjà pas mal. Je sais pas si vous vous rendez compte de la difficulté des trucs. Mais eux, il faut encore plus dur pendant les compètes. Ça, c'est des blocs de bébé pour eux. Il y en a parmi vous qui m'avaient demandé. Est-ce que tu penses, Vincent, que tu peux faire des blocs de compète? Et si oui, jusqu'où tu peux arriver? Franchement, je pense que je suis capable de faire aucun des blocs de compète. En tout cas, pas en 4 minutes. Je pense qu'on se rend pas compte de l'exigence que ça a. Allez, 5 secondes. Allez, c'est parti. Du coup, inverse pied, main droite. On fonce là-haut. Et ensuite, on improvise. Déjà, faut foncer là-haut. Ouh, c'est petit. Ah, il y a un pied droit là aussi. On va foncer là-haut, d'accord. Bon, il faut y aller. Ok, je pensais ça. Allez, je pense que c'est le move. Je perds déjà beaucoup trop de temps. Pas facile de gérer le temps. En plus, avec de la magnésie liquide, je vous dis pas. Oh, punaise, que c'est loin. Allez, croisez un peu plus Vincent. Punaise, mais j'y suis. En distance. Allez, 2.30, il me la faut cette prise. Je suis désolé, c'est frustrant pour vous. Punaise, mais c'est fou. Il faudrait que j'arrive avec le pouce. Allez, plus je mets d'essai, plus je me rince. Oh yes! Oh, et là après, je me fais éclate. Et sur les chevasses, il faut que je retourne la main. Et j'envoie pied droit là-bas. Ok, il reste 1.50. J'ai mal aux doigts, j'ai mal aux mains, j'ai mal aux pieds. Pas pouvoir mettre 1000 essais en plus. Je m'étais concentré et tout là. Allez, s'il y a des athlètes qui voient ma vidéo. Dites-moi à quel point la gestion de l'effort a éclaté. Oh. Je me suis fait éclater à nouveau. Après, je pensais pas atteindre la première arquée. Donc quand même content. En vrai, c'est frustrant parce que je vois que je mets des runs et je vois que... progresse et potentiellement les faire, mais par contre en 4 minutes c'est extrêmement court. 3 minutes 30 de repos, un dernier bloc en dalle et puis on va voir ce que ça donne. C'est clairement pas mon point fort. Si j'arrive à sortir le bloc dans le profil qui n'est pas mon point fort, ce serait incroyable. Mais là pour l'instant je pense que je suis pas à beaucoup de points sur 100. Allez, j'observe un peu, 30 secondes. Alors au départ je sais pas comment faire moins. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, le départ. Qu'est-ce que c'est dur. Punaise. Peut-être comme ça, ouais. Allez.
je me pète le pied droit là. Je pense clairement que ça commence avec un pied. Comment aller à gauche? Putain, il faut que je fasse juste ça, juste ça. C'est bon, je pense. Allez, il me reste 2,40. Bon, faut que je me démerde. Allez hop. Je me fais défoncer. Je me fais défoncer. C'est bien. Ok, vous voyez que des tops. Là, vous voyez le dur process de l'escalade. C'est beaucoup d'échecs. Putain, mais je me pète le pied, je peux pas faire comme ça. Ah, c'est frustrant. Du tout. Là, je suis frustré de ouf. Je bouge pas. Oh, je veux pas le départ. Je croyais qu'il était accessible, il me reste 30 secondes au secours. Oh, je sais pas. Je peux rien faire, il me reste 14 secondes. C'est dead. Et la fin. C'est pour la fin que je voulais faire lui. C'était extrêmement difficile. C'était extrêmement difficile, mais en même temps, c'est la dure réalité de l'escalade. Comme je vous ai dit, la majeure partie du temps, on se fait éclater, on échoue. Ça fait partie du process en escalade. Beaucoup de fois, on tombe. On montre beaucoup sur Instagram ou sur les réseaux à chaque fois nos réussites. Mais les réussites, elles passent souvent par beaucoup d'échecs, surtout dans des blocs très difficiles pour nos niveaux. Donc, si vous échouez, ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal. Je suis KO. Bon, mais bilan des comptes, je me suis fait sacrément éclaté. Je mettrai le nombre de points juste ici que j'ai réussi à faire. Comparé avec les athlètes en bloc, si vous voulez, ça vous donnera un bon ordre de grandeur pour savoir si j'étais hors sujet en termes de difficulté des blocs par rapport à ce qu'ils ont fait ou pas. Je referai peut-être ça en étant encore plus en forme, parce que pourtant j'avais l'impression d'être en forme aujourd'hui. J'essaierai peut-être de le faire aussi avec des personnes. Si vous avez des idées de personnes avec qui vous voulez que je fasse ce style de vidéo, format olympique ou format compétition, 4 minutes, 4 minutes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore une fois, gros respect aux athlètes pour leur travail et pour la difficulté des blocs qu'ils font ainsi que la pression qu'ils ont à gérer. On se rend difficilement compte de la difficulté de ce qu'ils font et de tout ce qu'ils vivent. Donc franchement, un énorme respect à eux. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux, les liens sont en description. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.